là-bas. Il y a des arbres, du vent, des nuages, de l'air frais qui fouette le visage. Et si je tourne en rond chez moi, ouh, c'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas. Faut des masques et faut du courage. Mais y a pas trop de risques à mon âge. Si ton attestation, tu l'as. Ouh, le monoprix t'ouvre les bras. C'est pour ça que j'irai là-bas. N'y va pas. Y a plus de pain, plus de beurre, c'est le carnage. Tu vas devoir te battre pour du fromage. Et vu ta gueule, tu gagneras pas. Toi, t'as déjà qu'un poumon et demi, et ça grince quand tu respires. Borne premium est gratuit, et toi tu rêves de sortir. Si ça fait deux jours entiers que le connard qui habite en face s'est mis au ukulélé, si je bouge pas de là, je le fracasse. Y a plus de PQ, c'est pas grave. Zemmour a écrit plein d'ouvrages. Il est si visionnaire parfois. C'est lui qui tous nous sauvera. Je veux aller au parc et au cinéma. N'y va pas. Au restaurant, au pute et au spa. Là-bas, je suis pas tant à risque que ça. Si crois-moi, je vais peut-être survivre à tout ça. Je crois pas. Je te verrai peut-être là-bas. Non, je serai chez moi. J'aime passer du temps avec toi. Pas moi. Y'a plein de gens dehors, je les vois. Les tarbas. Toi et moi, ça sera là-bas ou pas. Rêve pas. Buter ces putains de chinois. Ça dérape. Sortez les bombes et gazez-moi tout ça. Ferme-la. Et moi, je vais crever seul chez moi. C'était bien jusque-là. Et toi, tu dis vraiment n'importe quoi. Poisson-chat. Ton cerveau manque d'air, tu le vois. Koala. Et moi, je me suis déjà branlé 14 fois. Mat Pokora. Manu nous a pas laissé le choix. Tant que choix. J'en peux plus de rester chez moi. Sous-le-poix, Koh-Lanta, Charleroi. Christina Cordula. Véronique et Davina. You know, I thought it is time to do a little shout out about our heroes out there. It doesn't matter if you're talking about in the medical community, if it's the doctors or if it's the nurses, the people that work in the hospitals, the ambulance drivers, or if it is the first responders, or if it is the people that work in the grocery stores or supermarkets around that are serving people all the time and get exposed, or if it is people that are delivering food to homes where people are starving and need the foods. I mean, all of those people are real heroes. I just want you to know that I appreciate it so much. I've played an action hero my whole life in the movies, but you are the true action heroes. Congratulations and thank you for your serving the community. My father-in-law always said, you know, serve, serve, serve. For in the end, it will be the servant that will save us all. And that's exactly what you're doing. You are there, the true action heroes.
You know, in a crisis, improvisation is the most important thing. I give you an example. We have started 28 years ago to provide after-school programs for kids. It's called After School All-Stars. Very successful program in 60 different cities. We are providing those programs for almost 100,000 kids. But now, because of the corona crisis, those kids have been sent home. The schools are closed, so we cannot provide those programs anymore. So instead of providing after-school programs, we thought, wouldn't it be cool and great if we could provide food for those families? They need it. Or groceries for those families. Or maybe even gift cards for groceries. And so we started putting together a whole program. But of course, you can have the best ideas in the world, but if you don't have the money, you have nothing. So just at that time, TikTok came along and said, we are the ones that are going to donate the millions of dollars that it takes to feed those families. So we are so happy. We want to say thank you, because we're going to go out now. Our team that normally provides after-school programs would now be used for going out there and providing food for those families, delivering groceries and delivering gift cards for groceries. So thank you, TikTok, for sponsoring this program and helping our communities, helping our state, and helping our country. Thank you very much for your generosity. Bonjour, la petite chanson du jour. Oh, trois fois rien, hein? Trois petits mots, restez chez vous. Trois mots pour eux, c'est déjà trop. Ces trois mots difficiles à les entendre. Pour ceux qui vivent en ville, faut les comprendre. Ils se sont révoltés, parce que quand même, on les a enfermés avec eux-mêmes. Tant pis si on diffuse l'épidémie. Si c'est la mort qui fuse sur ton papy, sur ta mamie, sur tes amis. C'est les rebelles moins le quart, l'amicale des connards. Résistance, résistance, résistance à l'intelligence. Trois petits mots, restez chez vous. Trois mots pour eux, c'est déjà trop. J'en vois plein qui se baladent et qui sourit. Tous ces futurs malades ont envahi les hôpitaux bondés et débordés. Il faudra les sauver, ces entubés. On dit ne pas sortir, ils n'écoutent pas. Ils croient qu'ils vont guérir, peut-être pas. C'est les rebelles moins le quart, l'amicale des connards. Résistance, résistance, résistance à l'intelligence. Trois petits mots, restez chez vous. Trois mots pour eux, c'est déjà trop tard. Au revoir.